Monsieur Quatennens. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement s'inquiète là d'un problème qui n'est pas nouveau en réalité. Sur les 171 branches du régime général, il y en a 120, c'est-à-dire 71% qui affichent une grille salariale qui est inférieure au SMIC en vigueur. Alors, bon, c'est un effet d'affichage une nouvelle fois, puisqu'on a rappelé, on rappellera à l'occasion de ce débat que vous avez toujours l'intention de refuser l'essentiel, c'est-à-dire des augmentations de salaire dignes de ce nom. Et de la même manière, nous ne sommes pas dupes, puisque nous avons entendu le président du MEDEF, M. Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui affirme lui-même, je le cite, que l'État a un double discours en la matière. Officiellement, il faut augmenter les salaires, mais en coulisses, on nous dit de faire attention à ne pas nourrir l'inflation avec trop de hausses de salaire. Alors, quelle est véritablement votre intention? Nous, la nôtre est assez claire. Nous voulons en effet augmenter les salaires. Très bien. Monsieur Dharréville. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est simplement... On a un doute extrêmement fort sur d'abord l'efficacité de cette mesure, qui effectivement sera sans doute plus une mesure d'affichage qu'autre chose, mais non sans risque pour un certain nombre de branches, dont on ne sait pas bien d'ailleurs comment elles pourraient être regroupées, et sans être certain qu'il puisse y avoir un bénéfice réel pour les salariés. Deuxième élément, lors de l'audition, Madame la rapporteure, que vous avez conduite avec les organisations syndicales de salariés, je n'ai pas souvenir qu'une seule d'entre elles ait validé ce dispositif de fusion. J'ai même plutôt le souvenir qu'il était critiqué de manière assez unilatérale, d'abord pour sa non-efficacité et pour les risques qu'il soulève, mais ensuite il y a eu des propositions alternatives qui ont été faites. Par exemple, celle de conditionner les aides justement à une révision de la grille salariale des branches concernées, en leur donnant 6 mois pour se mettre à jour, par exemple. C'est une des propositions qui a été faite. Donc je suis un peu surpris qu'en réalité, vous ayez maintenu ce dispositif en l'état. Très bien, monsieur le député. Monsieur Bazin. Oui, merci, madame la présidente. Moi, je vais essayer de rééquilibrer par rapport au... Vous. En fait, je suis assez étonné que vous refusiez cet article, parce que, d'une certaine manière, il va plutôt dans votre sens et dans ce que vous pouvez porter, qui est des améliorations dans les branches sur les salaires. Et c'est un peu le sens de cet article. Alors, il ne va peut-être pas assez loin pour vous, mais parfois il vaut mieux un pas que deux pas. Moi j'étais plutôt sceptique au départ parce qu'il y a des spécificités de branches. Et pour regarder un peu de plus près dans certaines, en fait, on a des modèles qui sont différents et avec des parts de rémunération. Qui ne sont pas forcément dans le salaire, mais qui sont à côté. Oui, mais parce qu'ils sont liés aussi à un historique. Voilà. Et il y a des progrès à effectuer. Je crois que c'est important de pouvoir le faire. Maintenant, supprimer totalement cet article, moi, je me dis finalement à vous écouter que c'est un moindre mal. Merci, monsieur le député. Monsieur Turquois. Oui, merci, madame la présidente. Moi, je viendrais bien en appui. Alors, je ne suis pas pour la suppression de cet article, mais la réflexion qui est portée par nos collègues, moi, pour le coup, m'interpelle. Je trouve que je ne sais pas comment, dans la loi, on peut permettre qu'une branche ne commence pas au minimum au SMIC. Donc, je trouve qu'on devrait pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là et de prévoir une forme d'échelle en fonction d'un certain nombre, qui pourrait être différente d'une branche à l'autre. Mais rappelez-vous l'année dernière, les aides à domicile, la difficulté de revaloriser cette grille qui datait, je crois, de 1983, qui partait en dessous du SMIC, où il fallait attendre 9 ans pour qu'une aide à domicile arrive théoriquement au SMIC. Et il me semblerait logique qu'une grille commence à minima au SMIC et pas en dessous. Voilà, donc je pense qu'on pourrait avoir une réflexion là-dessus, je ne sais pas sous quelle forme, mais dans l'esprit, j'entends les arguments qui ont été portés juste avant. Madame Rousseau. Oui, juste pour préciser que les branches dans lesquelles les minima sont inférieurs au SMIC sont les branches dans lesquelles les salariés ont le moins de pouvoir de négociation dans le rapport de force et que par conséquent, dans la mesure où on est sur un projet de loi pouvoir d'achat et qu'il s'agit justement de donner de la capacité à négocier puisque vous avez préféré la voie de la négociation plutôt que la voie de la loi pour augmenter non pas les salaires mais les primes, eh bien je propose qu'il y ait quand même la suppression de cet article qui semble être un minimum de pouvoir donner aux salariés de ces branches. Très bien, Madame Keke. C'est ce que je voulais dire, en fait, il faut qu'on augmente les salaires parce que les petites entreprises qui sous-traitent
ne payent pas bien. Ils ne payent pas bien. Même si le SMIC augmente à la fin du mois, on se retrouve toujours à 800, 700, 900 euros. Et on ne peut pas vivre avec. On ne peut pas vivre avec des chèques, on ne peut pas vivre avec des primes. Merci. Très bien. Monsieur Dharréville. Pensez à éteindre vos micros après vos interventions, mes chers collègues. Je vous donne le micro, monsieur le député. Allez-y. Oui, merci, madame la présidente. Non, simplement, pour, puisqu'on est dans ce débat, puis je serai plus bref dans la défense des amendements qui se rapportent au même sujet tout à l'heure, pour dire deux choses. D'abord, nous avions formulé une proposition qui n'a pas été jugée recevable, qui visait y compris à proposer dans les branches la négociation d'une échelle des salaires. Aurait pu avoir un effet sur le pouvoir d'achat et qui aurait pu être une discussion intéressante dans un certain nombre de branches. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus, c'est un débat qu'hélas nous n'aurons pas véritablement. Pour le reste, cette fusion des branches, j'ai souvenir d'en avoir entendu parler il y a quelque temps déjà, mais pour d'autres objectifs. Donc je ne voudrais pas qu'on se serve de cette question du pouvoir d'achat pour remasteriser un peu l'organisation des branches, un peu... contre l'avis des acteurs sociaux. Ça me semblerait problématique. Et enfin, sur cette question des négociations, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels les négociations n'avancent pas beaucoup, et c'est un euphémisme que de le dire comme ça. Je pense, par exemple, aux négociations sur les tableaux de maladies professionnelles, où il y a des blocages qui ne sont pas le fait, bien souvent, des syndicats de salariés. Voire jamais, en fait. Voilà. Donc on a un sujet à discuter sur la nature de la discussion sociale dans notre pays. Je ne suis pas sûr qu'on va le régler comme ça et de cette façon-là. Par contre, là, je pense qu'il y a besoin de mesures législatives fortes et ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire en réalité. Très bien, monsieur le député. Monsieur Blanchet. Merci, madame la présidente. Le salaire minimum d'insertion, il y a bien le mot minimum. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a des branches qui sont en dessous, il faut inventer un autre mot à minimum. Il faut dire le salaire intermédiaire, mais plus le salaire minimum. Et donc, il y a un moment, il y a un non-sens. Et le signal envoyé n'est pas correct. Donc, évidemment, je pense qu'on doit partir sur un salaire minimum pour tous. Il y a des effets de bord dans certaines entreprises, mais la majorité des entreprises, des TPE, PME, n'ont pas des chèques cadeaux, des chèques vacances, des chèques repas. C'est des grandes entreprises. Donc le signal, je pense, on doit retrouver une cohérence, dire le salaire minimum, c'est vraiment le salaire minimum. Et il n'y a pas un autre mot qui dit qu'il y a un en dessous du minimum. Sinon, on invente un mot. Ou on renomme le SMIC salaire intermédiaire. Mais on ne dit pas que c'est minimum. Très bien. Je passe la parole à notre dernier intervenant et ensuite on passe au vote. Je crois que vraiment, c'est vrai, je suis d'accord, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un vrai sujet. Le terme employé est celui d'incitation, mais c'est effectivement une contrainte et donc je nous félicite d'avoir convaincu nos collègues des bancs à droite d'adopter des politiques qui renforcent la contrainte sur les fédérations d'employeurs. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense que les arguments qui sont avancés sont effectivement de bon sens, d'obliger les partenaires sociaux à ouvrir les négociations, permettre effectivement l'expression des différentes formes de rapports de force qu'on évoque depuis hier. Par ailleurs, c'est évidemment extrêmement compatible, voire même une exigence minimum par rapport au projet gouvernemental de déléguer la négociation, enfin de réorganiser la négociation au niveau des branches, même si le fait de devoir la contraindre est un aveu d'échec sur les lois El Khomri et Pénicaud, qui ont inversé la hiérarchie des normes et qui, du coup, par leur effet, ont conduit à déposséder les branches d'une partie de leur pouvoir de régulation et donc à diminuer l'intérêt et la force des négociations qui s'y exprimaient. Très bien. Monsieur Ruffin. Oui. On va voter cet amendement de notre côté. Mais la philosophie générale, quand on renvoie aux branches, c'est quoi? C'est on se décharge de notre responsabilité. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Il y a eu un rapport qui est un rapport remarquable qui s'appelle le rapport RL, qui a été rendu à Mme Borne quand elle était ministre du Travail, qui porte sur les salariés de la deuxième ligne et qui dit voilà, pour ce qui est de l'industrie agroalimentaire, pour ce qui est du bâtiment, pour ce qui est des auxiliaires de vie sociale, pour ce qui est des agents d'entretien, pour tout ça, 4,6 millions de salariés, ils sont aujourd'hui sous-payés et maltraités. C'est documenté, les experts qui sont recrutés, disent, ben là, il faut revaloriser le salaire, il faut changer les horaires, il faut faire tout ça. Que répond donc un rapport académique remarquable?
Que répond sur le plan politique Madame Borne quand elle était ministre du Travail ? Texto, hein. Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, là, on ne va pas faire de loi, on ne va pas imposer de règles, mais l'harmonie va descendre du ciel par la vertu du dialogue social. Qu'est-ce que ça signifie ? Au fond, ça signifie que vous croyez en la main invisible du marché, et ensuite, vous croyez à la main invisible du marché aménagée par ce qui serait des luttes ou du dialogue. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à une espèce d'autorégulation. Et il faut aujourd'hui imposer une régulation. Et le lieu de la régulation, c'est laquelle commission nous nous trouvons. Et nous avons un projet de loi où, au fond, nous choisissons de ne pas réguler. Nous choisissons de ne pas instaurer des règles qui feraient que, dans toutes les branches que je viens de citer, qui sont reconnues comme essentielles et indispensables, on va venir relever tout simplement les salaires. Donc quand, chaque fois qu'on parle de branches, OK, d'accord pour que les syndicats et le patronat discutent, mais c'est aussi une manière de se décharger de notre responsabilité et de ne pas les prendre. Et au fond, je vais le dire, comme je le pense, de laisser 4 millions de salariés dans la merde. Très bien. Très bien. Monsieur Delaporte, et ensuite je passe la parole à madame la rapporteure et on passe au... oui, elle demande la parole. Monsieur Delaporte, vous avez la parole. C'était juste pour... J'avais plus le micro. Oui, c'était juste pour venir en soutien à cet amendement qui est proposé par ailleurs par une centrale syndicale, donc qui vise juste à améliorer la négociation obligatoire et le processus. Donc voilà, on peut aller que dans ce sens. Merci. Très bien, je repasse la parole à madame la rapporteure. Oui, merci madame la présidente. Au vu des débats que nous avons et de l'intention que je pense nous partageons tous de vraiment inciter les partenaires sociaux à négocier, à faire atterrir ces négociations, et même si j'étais peut-être un petit peu plus tolérante, je crois que mes collègues, je change mon avis et je un avis favorable pour ces deux amendements. Très bien, très bien. Le débat était intéressant, effectivement. Merci, madame la rapporteure. Donc, je mets aux voix cet amendement et je revois des sourires qui a reçu donc ces deux amendements qui ont reçu donc un avis favorable, qui est pour, qui est contre. Il est adopté à l'unanimité. Très bien. Trois amendements pourront être mis en discussion commune et je passe la parole à madame Guettet. Merci madame la présidente. On poursuit la discussion sur le salaire minimum puisque c'est un amendement qui vise à augmenter le niveau du SMIC à 1 500 € net en constatant que chez nos voisins européens le salaire minimum a augmenté ces dernières années et que contrairement à ce qu'on nous raconte, le chômage n'a pas nécessairement augmenté en même temps. Par ailleurs, on est quand même dans une loi sur le pouvoir d'achat et donc il s'agit bien d'en redonner aux gens. Et donc on pense que le salaire, c'est la base. On a déjà eu cette discussion salaire, prime, je n'y reviens pas. Ils ne peuvent pas se contenter des primes temporaires qui sont prévues. Et donc on pense que 1 500 € c'est le minimum. Quand le PDG de Total touche de son côté 380 SMIC, un par personne, ça nous semble bien. Et donc on prévoit en même temps une caisse de péréquation entre les entreprises pour que les grands groupes puissent aider à financer pour les plus petites entreprises cette hausse. Voilà, je pense que vous pourrez soutenir cet amendement. Très bien, madame la députée. À travers le versement de dividendes, il est légitime de pouvoir revaloriser l'ensemble des salaires, à commencer par le premier d'entre eux, le SMIC. C'est pour ça que nous proposons que, à cet article, nous fixions le salaire minimum à 1 923 € brut mensuel. Très bien. La parole est à monsieur Ferracci. Oui, en réaction à ce qu'il avait dit... raisonner en comparant d'un pays à l'autre les augmentations du SMIC, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'on ne part pas d'un point de départ. Or, les points de départ sont différents. De la même manière, raisonner en comparant en valeur absolue, en euros, le salaire minimum en Allemagne, en France ou ailleurs, ça n'a pas de sens. Le bon indicateur, c'est de regarder ce que représente le SMIC en pourcentage du salaire moyen ou médian, le plus souvent du salaire médian. Et là, on peut faire des comparaisons entre pays. Les statistiques de l'OCDE en 2020 montraient que la proportion du SMIC, le SMIC en proportion du salaire médian en France, c'était 61%. En Allemagne, c'était 51%. Et donc, c'est cette différence qui doit asseoir les comparaisons. Ce n'est pas les augmentations. Quand on part d'un niveau plus bas, c'est normal d'augmenter plus vite.
Très bien, je m'excuse, j'ai donné la parole à M. Ferracci, mais l'amendement identique, j'aurais dû donner la parole à M. Dharréville. Merci quand même, Madame la Présidente. Donc simplement, je souscris évidemment à ce qui a été dit par mes deux collègues sur ces amendements identiques. Nous sommes favorables à une augmentation du SMIC en raison des arguments qui ont été évoqués de sa trop faible augmentation ces dernières années. Il ne s'agit pas là, simplement d'opérer des comparaisons internationales. Il s'agit de regarder concrètement comment les gens vivent avec le SMIC. Et en fait, on vit mal avec le SMIC. Donc on vit mal de son travail. Donc il faut augmenter le SMIC. La logique est assez basique, mais elle est assez nécessaire en réalité. Et donc c'est une mesure de justice que nous proposons. Et nous proposons également de mieux répartir effectivement les richesses. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres globaux sur la prétendue augmentation des salaires, etc., on mesure que les hauts salaires augmentent très très fort et sont très très élevés. Et en revanche, le SMIC n'augmente certainement pas au même rythme que ses très hauts salaires. Donc on a un besoin de réguler tout ça et de limiter l'échelle des salaires pour mieux partager les richesses dans le pays. Donc je crois qu'on a véritablement des mesures à prendre qui auraient des vertus de réduction des inégalités et d'une meilleure rémunération de l'ensemble du travail. C'est tout à fait nécessaire. Donc j'ai 4 demandes pour la France insoumise quand j'en ai 1 pour chaque groupe. Donc vous jouez le jeu. Cette fois-ci, OK, je donne la parole à tout le monde. Si c'est pour redire la même chose pendant... Je ne bride personne et je brime encore moins personne. Simplement, on joue le jeu. On est d'accord. Alors, je commence tout de suite par Monsieur Clouet. Oui, alors très vite pour jouer le jeu. Ce serait concis car je défends aussi la réduction du temps de travail, même si ce n'est pas le sujet immédiat. Mais j'ai bien noté depuis le début de l'ouverture de cette session que vous êtes favorable à tout ce qui est concertation et grande coalition. Et donc, je vais revenir sur le cas de l'Allemagne, puisque cette hausse actuelle du SMIC qui va porter à 12 euros brut par heure le salaire minimum en Allemagne est une des conditions, même a été un des motifs autour desquels s'est organisée la grande coalition que vous appelez par ailleurs de vos voeux. Et je suis bien d'accord qu'il y a des effets de structure qui rendent difficile à comparer, etc. Mais juste une donnée, le SMIC a pris en Allemagne 22% sur l'année. Sur l'année. On ne parle pas d'effets de structure, d'où on part, d'où on arrive, c'est 22% sur l'année pour compenser la hausse des prix. Et donc, ce qui doit asseoir nos choix politiques, ce n'est pas uniquement la question de la compétitivité à l'exportation, etc. C'est aussi, c'est surtout et c'est même exclusivement la capacité qu'on a à vivre de son travail. Merci bien, monsieur le député. Je passe à présent la parole à monsieur Vigier. Oui, merci, madame la présidente. Pour être très court, je veux dire que notre collègue Ferracci a complètement raison. Lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, l'important, c'est le salaire médian. Et ce qu'il a dit est parfaitement vrai. Il y a 20% d'écart. Je rappelle à notre jeune collègue que, par exemple, en matière agricole, il devrait savoir que le SMIC en Allemagne en matière agricole était beaucoup plus faible il y a 5 ans. Et on a réussi à le faire remonter un peu. C'était un élément de concurrence déloyale par rapport à ce qui passe en France. Mais sur cet amendement, je voudrais juste te dire une chose. Bien sûr, l'idée d'une contribution, mais une contribution à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur quelle base vous appuyez? Vous avez des entreprises qui ne font que quelques millions d'euros de chiffre d'affaires avec une immense profitabilité. Celle-ci échapperait à ce fonds de péréquation. Au nom de quoi? Donc je ne comprends pas comment, quelle est l'étude d'impact qui permet de savoir quelle est la somme recueillie et comment ensuite vous la redistribuez. Vous voyez, il faut aller au bout de l'argument. Ce n'est pas simplement dire, voilà, on met un argument, on le met dans la vitrine et on regarde ce qui se passe après. C'est simplement comment cela peut marcher ensuite. J'ai quelques doutes sur la réalisation de votre projet. Très bien. La parole est à monsieur Quatennens. Merci, madame la présidente. Bon, je ne renonce pas au plaisir de pouvoir débattre avec Marc Ferracci, qui est désormais de ce côté de la tribune, puisqu'il est parlementaire. Avant, il avait été conseiller économique d'Emmanuel Macron, puis conseiller spécial auprès de la ministre Pénicaud, en lui disant qu'il ne peut pas ignorer que la productivité ces 20-30 dernières années a beaucoup augmenté et qu'on n'a pas vu que les salaires n'augmentent en même proportion ni que le temps de travail diminue. Donc à qui profite le crime? C'est bien la question. Et on peut le vérifier parce que ces 10 dernières années, par exemple, alors qu'il y a eu ces gains de productivité par le passé, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70% quand les salaires, eux, n'ont progressé en moyenne que de 12% et que l'investissement productif a reculé de 5%. Donc la question est bien celle du partage
de la valeur. Moi, j'en ai assez des discours qui consistent à dire que, comme on l'entend souvent dans la bouche de Bruno Le Maire, par exemple, qu'avant de partager des richesses, il faudrait les produire. Le meilleur vaccin contre ça, c'est que vous fournissiez ce document sur les fortunes de France, qui vous montre qu'ils ont atteint 1 000 milliards d'euros, que la fortune des milliardaires en pleine période Covid a augmenté de 236 milliards, et que 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions. Oui, il y a une question de partage de la valeur, et la meilleure manière de le faire, c'est les augmentations de salaire. Par ailleurs, vous ne cessez de dire qu'on doit pouvoir vivre de son travail. Je ne sais pas, monsieur Ferracci, si vous avez déjà eu l'occasion, peut-être dans votre vie, de faire l'expérience de vivre au SMIC, mais pour des tas de personnes, vivre au SMIC, alors qu'ils travaillent, c'est en réalité devoir survivre. Oui, il faut partager la valeur et augmenter les salaires, et c'est précisément ce que vous vous offusquez à ne pas vouloir faire. Très bien. Monsieur Ruffin. Oui. Bien. On est là en train d'essayer de faire un truc absolument révolutionnaire, c'est les Français doivent vivre de leur travail, de leur salaire. Ce qui paraît comme étant une évidence. Pas de primes, pas d'aide, pas d'aumône que leur accorderait l'État ou leur entreprise. J'ai fait la liste. Sous Macron, prime d'activité, prime Macron, aide pour les plus précaires, prime hospitalier, prime Grenelle, chèque énergie, remise carburant, indemnité inflation. On ne sort pas de cette logique de chèque fait les uns après les autres. La question a été posée par mes collègues, c'est... Moi, je suis choqué qu'au fond, on fasse un projet pouvoir d'achat sans avoir auditionné une seule personne aujourd'hui qui souffre dans son pouvoir d'achat. On sait que sur nos bancs, on n'en souffre pas. On en fait tous les jours dans nos services. Ah oui. Bah, amenez les témoignages. Je ne les entends pas, les témoignages. Et donc, la question est simple. Est-ce que, franchement... Moi, j'interroge des caristes qui sont à 1 280 euros par mois après 17 ans d'ancienneté. Qui, ici, va faire le boulot de cariste pendant un mois et qui va le faire pour ce salaire-là? Donc, les arguments sur lesquels, à l'échelle internationale, ceci, ceci, cela... Non, à un moment, c'est est-ce que les gens peuvent vivre de leur travail et peuvent vivre de leur salaire? Dans le pays, des richesses, il y en a. C'est comment on les répartit et peut-être comment on les répartit entre nous aussi. C'est-à-dire que peut-être que c'est sur nous qu'il faut prendre pour donner à des gens qui font un boulot qui est au moins aussi essentiel et peut-être plus indispensable que le nôtre et qui doivent voir leur salaire nettement réévalué. Voilà ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et en fait, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est la question simplement que les gens puissent vivre de leur travail, puissent vivre de leur salaire. Très bien, monsieur le député. Je passe la parole à madame Hérody. Merci, madame la présidente. Par cet amendement, nous proposons que les salaires du secteur... Non, c'est pas celui-là. Non. Madame... Il y a une erreur. Non, mais vous êtes en train de peut-être défendre un amendement. Or, nous sommes dans la discussion, non? 138. Non, non, c'est ça. Allez-y. Ah, très bien, allez-y. Pas du tout. Écoutez, je vous prends dans l'ordre, mes chers collègues. Dans l'ordre. Je note, vous inquiétez pas. Et encore une fois, je vous ai demandé d'être concis. Sinon, je passe la parole à un membre dans chaque groupe. C'est clair. Voilà, c'est clair. Soit vous jouez le jeu, soit je fais une personne par groupe. C'est tout. Excusez-moi, c'est surtout en plus... Voilà, vous êtes d'accord, on a bien entendu le message, c'est beaucoup pour redire la même chose, pour paraphraser. Donc ça n'apporte rien au débat. Soit on intervient, on apporte quelque chose vraiment de nouveau, si c'est pour redire la même chose, il y aura l'hémicycle pour ça, j'en suis certaine. Donc on poursuit. Non, non, mais on vous a... Mais monsieur Ruffin, Monsieur Ruffin, vous me provoquez, vous étiez l'un des premiers à intervenir, donc c'est plutôt vos collègues qui paraphrasent. Bon, j'ai dit un membre par groupe, monsieur Delaporte. Si, réécoutez la vidéo. Alors, j'en étais, excusez-moi madame la députée, vous seule avez la parole. Bah, madame, c'était bien madame Hérody. Vous ne l'avez pas demandé. Moi, j'ai noté. Alors, c'est madame Kéké qui avait demandé. Très bien. Moi, je lis ma petite liste qu'elle a à côté. Allez-y, madame Kéké. Seule madame Kéké a la parole. On va y arriver. En fait, j'aimerais dire les grandes entreprises peuvent aider les petites entreprises. Parce que quand on se met en grève...
et qu'on a la sous-traitance. Bien vrai, on dit la sous-traitance est autorisée. Mais quand on se met en grève, la sous-traitance nous dit, nous, on n'a pas les moyens de pouvoir régler le conflit. Parce que quand on va signer le contrat avec le donneur d'ordre, il ne nous donne pas les moyens pour pouvoir régler, pour pouvoir augmenter le salaire. Et quand la lutte est due, là, le donneur d'ordre fait sortir de l'argent pour mettre sur la table pour pouvoir régler le conflit. Donc, je pense que les grandes entreprises peuvent le faire. On n'a pas besoin de faire une longue lutte pour pouvoir mettre les moyens en place pour pouvoir, comment je peux dire, donner les moyens aux salariés, c'est-à-dire leur donner plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre lutte, pourquoi je parle de ça tout le temps et j'insiste, parce que quand on a fait 22 mois, aujourd'hui, où je vous dis, il y a plus de 800, 900, 1000, 1100 euros, 1200 euros à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Le groupe Accor a décaissé de l'argent pour nous donner tous nos droits. Donc voilà, les grandes entreprises, ils peuvent. Il y a de l'argent, on n'a pas besoin de faire les luttes. Parce que quand on fait les luttes, l'argent sort. Et quand on ne fait pas les luttes, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Il faut augmenter le salaire des gens. Parce que 800 euros, 900 euros, 1000 euros, on ne peut pas vivre avec. On ne peut pas vivre avec, c'est impossible. Merci. Très bien. Alors, cette fois-ci, je passe la parole à M. Jérôme Guedge. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous nous demandez d'être concis, mais vous pouvez comprendre aisément qu'on est là sur des amendements qui sont au cœur des propositions qu'on défend depuis plusieurs mois, des engagements dans la campagne des législatives, et qu'il n'est pas déraisonnable de marteler la raison pour laquelle nous considérons que, en nous emparant de notre pouvoir de législateur, là où le SMIC, jusqu'à présent, procédait de décisions automatiques ou quasi-automatiques qui s'inscrivaient dans une logique de modération salariale qui a présidé ces 15 dernières années dans le pays et qui vient se fracasser aujourd'hui, bien évidemment, sur le retour de l'inflation. Mais au-delà de ce fait générateur qui rend encore plus indispensable l'augmentation des salaires, à commencer par l'augmentation du SMIC, qu'est l'inflation, derrière ça, devra se poser la question plus pérenne de tourner le dos à une politique de modération salariale dont on peut discuter de l'efficacité sur bien des domaines. Mais s'il y a une seule grille de lecture qui doit être appréciée, et l'intervention de Mme Kéké, comme celle de M. Ruffin tout à l'heure, et comme celle, je crois, que peuvent vivre chacun de nos collègues parlementaires, quelle que soit sa sensibilité politique, dans les permanences que nous tenons les uns et les autres depuis des années. Cette histoire de modération salariale, d'impossibilité pour le plus grand nombre de nos concitoyens, à partir du 15 du mois, de permettre de vivre dignement, je pense que le législateur décide d'introduire par une disposition précisément législative et se réempare de ce pouvoir souverain, de dire nous avons la possibilité de changer la vie, et ce n'est pas une formule tribunicienne, je pense que c'est aussi intéressant pour la suite des opérations. Parce que le législateur, jusqu'à présent, ne s'intéressait pas au niveau du SMIC. Par cet amendement, par cette proposition, nous disons que nous ne sommes plus dans une logique mécanique d'expertise. On a crevé de l'économicisme à droite et à gauche depuis des années, qui a consisté à dire que la question salariale était une question technique. C'est d'abord et avant tout une question politique, et c'est la raison pour laquelle nous insisterons sur ces amendements. Stratégie payante. Donc on diverge. Non pas sans doute sur les finalités, bien, mais sur les moyens. Mais sur les moyens. Très bien, mais vous introduisez ce concept qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est très comment. Bien, monsieur le député. Vous parlez des salaires, je vous parle des salaires, monsieur Katniss. Et monsieur je vous explique le député. Comment, de manière sinon raisonnée, les autres vont faire pareil. On peut faire en sorte que les salaires augmentent. Très bien, monsieur le député. La parole est à monsieur Delaporte. Oui, je suis très heureux de prendre la parole après cette leçon du professeur Ferracci. Parce qu'il y a les gens qui sont sérieux d'un côté et puis il y a les dupes de l'autre, si j'ai bien compris l'intervention précédente. Non, mais c'est vrai. Ben, si, vous avez dit personne de sérieux ne pourrait soutenir que. Donc ça veut dire qu'on soutient le contraire. Monsieur on n'est pas sérieux. Non, mais c'est exactement l'impression que j'ai, c'est qu'on est en train de se prendre des leçons d'économie alors qu'on est un débat très intéressant. Non, mais laissez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à présent, le débat était très intéressant, oui, je vous le dis franchement. C'est exactement ce que je dis, Madame la Présidente. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrive à ne pas se dire qu'on est sérieux ou pas sérieux. C'est juste qu'on a un débat philosophique avec deux visions qui sont totalement différentes, qui sont en train d'être exprimées. Et donc, je ne veux pas qu'on nous dise qu'on est des dupes ou qu'on est des gens qui ne sont pas sérieux. On a une discussion centrale.
Monsieur Ferracci, tout à l'heure, évoquait quelque chose. S'il vous plaît, on s'écoute. On a parlé, on n'a pas augmenté le SMIC au même niveau en France que dans les autres pays européens. C'est vrai, on ne part pas du même niveau. Mais la France, quand on compare au Royaume-Uni, quand on compare à l'Allemagne, quand on compare au Portugal, quand on compare à l'Espagne, est le seul pays où le niveau du SMIC a baissé par rapport au niveau des salaires médians. Ça, c'est une situation tangible et comparable. Je veux dire, en France, le niveau du SMIC par rapport au salaire médian, il baisse de manière continue. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui agir. Et donc, on serait le seul pays, quand on compare à nos voisins européens, on aime bien se comparer en général, et bien là, non, tous augmentent le SMIC et nous, on le baisse, parce qu'en fait, on le baisse par rapport à l'évolution du coût de la vie. Donc aujourd'hui, je veux juste qu'on ait conscience de ça. On est dans un amendement qui est central parce qu'il défend toute notre philosophie, qui est la question de la valeur du travail. Et donc, nous, on veut évidemment que dans cette discussion centrale, on augmente le SMIC. C'est la seule solution. C'est la seule solution pour l'amélioration du pouvoir d'achat durable. Merci. Très bien. Merci, monsieur le député. Madame Danielle Brulbois. Je vous donne le micro, prenez-le. Merci Madame la Présidente. Oui, moi j'aurais rappelé que pour redistribuer de la richesse, il faut la créer et que la France est championne de la redistribution de richesse. C'est en France que les inégalités sociales sont les moins importantes par rapport aux pays riches. Et c'est la France qui est championne de la redistribution. C'est plus de presque 40% du PIB. Donc, pour redistribuer en mesures sociales, il faut créer la richesse, il faut préserver le plein emploi et la capacité de nos entreprises très bien. Créer de la richesse. Très bien. Monsieur Nicolas Turquois. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends les arguments de nos collègues de l'opposition, et notamment par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, je crois qu'il y a moins de 10 ans qu'a été créé le SMIC en Allemagne. Oui, je crois que c'est il y a moins de 10 ans. Mais il y a quand même l'élément, ça a été souligné par notre collègue Ferracci, je crois que le taux de chômage en Allemagne est de 3,2%. Et quand on aura fait ce travail... On s'écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Rousseau. Allez-y, Monsieur Turquois, seul vous avez la parole. Je crois que le chômage de masse... Je ne méconnais pas le fait que au SMIC, c'est extrêmement dur, et notamment quand on est en milieu urbain, quand on vit en milieu urbain, c'est extrêmement dur de vivre et de survivre. Je ne méconnais pas cet aspect-là. Si on pouvait... Qu'est-ce qui va se passer si on augmente? Parce que passer à 1923 euros de SMIC brut, c'est-à-dire à peu près l'augmenter de 300 euros d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer? Un effet de sidération. Là où, actuellement, on attire des investisseurs extérieurs, là, ça va être l'arrêt total. Les patrons de PME qui vont se dire, on aura peut-être une compensation des grosses entreprises, on arrête, on bloque tout. On va avoir un écrasement total de l'échelle de salaire. Est-ce qu'on peut aller... Je voudrais finir. Est-ce qu'on peut aller vers une augmentation régulière mais progressive? Une augmentation de 300 euros brutale, il y a un côté dogmatique qui va avoir un effet de sidération et d'arrêt total de notre économie. Il faut augmenter, il faut aussi diminuer le chômage parce que le chômage de masse dans la durée a eu des effets collatéraux dramatiques sur la pauvreté, sur le mal logement, sur l'intégration, sur parfois des éléments de violence dans certains territoires. Il faut s'attaquer au chômage et en parallèle augmenter progressivement, régulièrement mais progressivement, le salaire. Et je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera à résoudre cette équation. Très bien. Donc je prends les deux derniers intervenants et on passe au vote, mes chers collègues. Débat au demeurant très intéressant. Sandrine Rousseau, vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Alors déjà, je voudrais quand même vous rassurer sur le fait que quand les plus riches parmi les Français ont doublé leur fortune pendant le Covid, il n'y a pas eu d'effet de sidération et d'arrêt total de l'économie. Hein, donc ouais, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Par ailleurs, je rappelle quand même que même avec une vision extrêmement libérale et keynésienne, augmenter le SMIC, ça permet d'augmenter la consommation et donc à la fin, ça permet d'atteindre les buts que vous poursuivez, puisque l'augmentation de la richesse des plus riches conduit finalement à une augmentation de l'épargne et ne crée pas les richesses que vous appelez de vos voeux. Par ailleurs, je voudrais quand même qu'on arrête d'appeler création de richesse ce qui détruit la planète. Et en l'occurrence, dans ce que vous dites de manière régulière, il y a nombre d'activités qui détruisent notre avenir et donc la planète et qu'on ne peut pas qualifier raisonnablement de richesse. Par ailleurs,
sur le... Il y a quand même quelque chose qu'il faut poser là dans le débat et qui me semble important de poser maintenant, c'est que la question, c'est le partage de la valeur ajoutée. Et quand vous dites qu'à la fin des Trente Glorieuses, ce partage de la valeur ajoutée est allé davantage vers le capital, et bien disons aussi que c'est avec la libéralisation des marchés financiers, et que si vous voulez que le travail retrouve une partie de la valeur, de la valeur ajoutée, alors... Contrôlons les marchés financiers, régulons les marchés financiers. Qu'avez-vous fait pour faire cela ? Rien du tout. Donc en fait, là, la question, c'est de donner du pouvoir de négociation au sein des entreprises, aux salariés. Je rappelle que ce dispositif, le dispositif qui est présenté dans cet amendement, n'a qu'une seule vocation, c'est de permettre à chaque entreprise d'augmenter les salaires, à chaque entreprise, à chaque petite entreprise, à chaque moyenne entreprise. Ce qui n'est pas autorisé par le dispositif que vous soutenez, qui est une situation de prime au bon vouloir des chefs d'entreprise. Donc là, en fait, on a quelque chose qui permet à tous les salariés et à toutes les petites et moyennes entreprises d'avoir les moyens d'augmenter les salaires, et particulièrement les bas salaires. Donc la réalité devrait nous inciter à voter cet amendement. La dernière chose que la dernière chose que je voudrais dire, c'est que si on compare le salaire médian en Allemagne et en France, s'il y a un tassement des salaires autour du SMIC en France, c'est précisément à cause des exonérations de cotisations sociales pour les bas salaires qui n'ont cessé d'être mis en œuvre depuis maintenant près de 10 ans. Madame la députée, très bien, on a bien compris. Dernier intervenant, monsieur Pierre Dharréville, et on passe au vote. Et monsieur Le Seul, puisqu'il a son amendement, effectivement. Merci, madame la présidente. D'abord, je voudrais commencer par dire effectivement qu'il y a un choc entre deux visions de la société, de modèles de société dans la discussion que nous avons aujourd'hui. Je voudrais démystifier une chose. Certains nous expliquent finalement que la modération salariale est une bonne chose pour lutter contre le chômage. Mais depuis les années 70, puisqu'on remonte jusque-là, on a bien vu le résultat. On a eu la modération salariale et on a eu le chômage de masse. On a eu les deux en même temps, avec la politique que vous proposez de continuer aujourd'hui. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que dans cette spirale négative de course à la compétitivité et où on essaye finalement de ne pas rémunérer le travail comme il devrait l'être, et bien c'est toujours plus le travail qui trinque et toujours plus effectivement le capital qui en profite. Cette contradiction-là, vous ne pouvez pas l'évacuer. Elle est là. Je suis désolé d'être le communiste qui vous la rappelle, mais elle est là. Donc, dans la manière dont les choses se passent, nous nous proposons d'engager une dynamique vertueuse dans la société pour donner les moyens à celles et ceux qui travaillent, effectivement, de choisir, de vivre bien, tout simplement. Et ça va avoir des effets très bénéfiques sur le développement de notre société, sur notre capacité à relever le défi de la planète et sur notre capacité à vivre ensemble. Nous avons besoin de ça. On ne peut pas accepter plus longtemps que les richesses soient captées comme elles le sont par un tout petit nombre et que, en réalité, notre système économique soit à ce point dominé par les forces de la finance auxquelles il faut s'attaquer. Plus de 2 millions de personnes qui sont payées au SMIC au 1er janvier 2021. Et il y a 7,6 millions de femmes et d'hommes, soit un tiers des actifs, qui sont en dessous de 1,3 SMIC. On a organisé des trappes à bas salaire en permanence et vous continuez à le faire avec les mesures que vous nous proposez aujourd'hui. Donc il faut arrêter avec ces politiques-là, il faut rémunérer le travail correctement. Monsieur Turquois nous dit c'est trop violent, il faudrait de la régularité. Mais moi je vais vous dire une chose, engageons ce débat. Monsieur... Si vous voulez des mesures progressives, proposez-les. Vous n'avez rien proposé en la matière. Allons-y, discutons de ce sujet-là. Monsieur le député, je vous remercie, monsieur Pierre Dharréville, et ne vous excusez pas d'être communiste, monsieur Pierre Dharréville, dans votre intervention. Je crois pas m'en excuser, madame la présidente, je le revendique. La parole est à monsieur Le Seul, et on passe au vote. Merci, madame la présidente. Je serai bref et nous éviterons les redondances. Simplement, j'ai entendu quand même dans ce petit débat, nous aurions, qui mériterait d'ailleurs d'être poursuivi, quand même quelques contre-vérités et malgré tout quelques bonnes volontés. Tout d'abord, vous avez parfois rappelé que le SMIC avait détruit notre compétitivité. Je rappelle que le SMIC est finalement bien plus utilisé dans les services que dans l'industrie.
très, très majoritairement dans les services et pas dans l'industrie. Donc la question de la compétitivité, de la concurrence internationale et du déficit de la balance commerciale que vous n'avez pas évoqué mais qu'on aurait pu évoquer ne tiennent pas la route par rapport à cette question de revalorisation, de saine revalorisation du travail. Et donc je voudrais, s'il vous plaît, appeler, puisqu'il y a eu quelques bonnes volontés qui se sont exprimées, au moins par le biais de sous-amendements de la part des différentes composantes et de l'opposition et de la majorité, d'avoir cette discussion réelle dans l'hémicycle avec plus qu'un coup de pouce, puisqu'il n'y a jamais eu de coup de pouce depuis plus de 15 ans, depuis que le comité d'experts a été créé, pour que nous puissions avoir une vraie revalorisation du SMIC. Vous n'êtes pas d'accord avec les 15%. Je rappelle que Mme Pécresse proposait 10%. Eh bien, faites des contre-propositions, mais travaillez dans le sens de la revalorisation du travail. Très bien, monsieur le député. Donc, je mets aux voix ces amendements. Donc, les trois amendements, c'est ça ? Le 268, qui est pour... Alors, ils ont tous reçu, bien sûr, un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. L'amendement 144, même avis, même vote. Ils sont tous identiques. 239 également, même avis, même vote. Donc, ils sont tous rejetés. Poursuit avec l'amendement... Il y en a 19, hein, je vous l'avais dit. Avec Monsieur Peu... Oui, allez-y, vous avez la parole, monsieur le député. Oui, non, mais sans alourdir trop le débat, dire d'abord que dès la conception, la création de l'allocation adulte handicapé en 1974 par le secrétaire d'État auprès de Simone Veil, l'allocation avait été conçue comme une allocation d'autonomie. Et c'est au fil du temps que c'est devenu une prestation sociale et non plus une allocation. Et donc, en déconjugalisant l'allocation adulte handicapé, on revient vers sa fonction originelle, c'est de donner un revenu d'autonomie à nos compatriotes qui sont handicapés et pour certains d'entre eux privés d'un accès à l'emploi et à des ressources propres. Donc nous soutenons l'idée d'une co-construction. Je ne reviens pas sur le passé. J'ai moi-même, avec Jeannine Dubié, à trois reprises présenté cette proposition dans l'hémicycle. Donc je pourrais être très long sur les cinq années qui viennent de s'écouler, mais je ne le ferai pas. Par contre, nous insistons pour que cette co-construction permette à chacun des groupes qui se joignent à cette proposition de pouvoir, dans des amendements identiques, pouvoir les déposer chacun, de façon à avoir des exposés des motifs qui nous permettent à les uns et les autres de revenir sur notre propre interprétation. Enfin, je souscris à la proposition de Philippe Vigier. Oui, je pense qu'il faut essayer d'aller vers un délai d'application beaucoup plus court. On a beaucoup trop traîné sur ce sujet. L'attente est immense. Il y a unanimité des associations d'handicapés sur le sujet. Il faut aller vite. Très bien, monsieur le député. J'ai bien pris note. Nous avons pris note. Ensuite, monsieur Clouet, vous avez la parole. Ah, c'est madame... Ok. Madame Guettet. Guettet, allez-y. Merci, madame la présidente. Alors, loin de moi l'idée de briser le consensus général. Évidemment, nous soutiendrons la déconjugalisation de l'AAH. Nous avons déposé plusieurs amendements. Je tiens quand même à rappeler... que nous avons été un peu surpris par l'épiphanie de Madame Borne dans son discours, puisque pendant 5 ans, nous l'avons proposé, que la situation était déjà urgente, même si elle l'est encore davantage. Mais en mars 2019, vous nous l'avez refusé. En décembre 2019, vous nous l'avez refusé. En juin 2019, vous nous l'avez refusé. En juin 2021, vous nous l'avez refusé. En octobre 2021, vous nous l'avez refusé. Et en décembre 2021... vous nous l'avez refusé. Je suis quand même navrée. Non, je le rappelle, même si ça vous gêne. J'étais là aussi, monsieur Vigier, il n'y a pas de souci. On écoute Madame Guettet, s'il vous plaît. Et donc, je suis ravie que maintenant vous vous rendiez à notre avis. Il n'empêche quand même que les gens ont déjà trop attendu. Je rappelle que selon France Handicap, mené auprès des femmes en situation de handicap, parce que c'est notamment... Parlez dans le micro, madame, je ne vous entends pas. Le plus,
Il y a près de 45% des femmes qui ont répondu à cette enquête qui voient leur revenu qui est impacté par le dispositif qui est actuellement mal conçu. Je me permets quand même de rappeler ces faits, même si ça vous dérange, parce que je pense que ce n'est pas le seul sujet sur lequel peut-être vous rangerez après coup, à notre avis, je l'espère en tout cas. En tout cas, il est plus que temps d'agir. Je rejoins M. Vigier également sur la question du délai et le fait que l'urgence et l'inflation étant là, il faut absolument s'y mettre. J'ai entendu les arguments des uns et des autres, nous aurons donc ce débat en hémicycle de manière conjointe et je rejoins là aussi M. Peu sur le fait que nous puissions rédiger chacun à notre manière ces amendements. Très bien, Madame la députée, très bien. Amendement suivant, défendu par Monsieur Favennec-Becco. Madame Magnier, non, il n'y a personne. Non, pas soutenu. Alors, très bien. Nous poursuivons avec Madame Rousseau, peut-être, c'est vous? Non. Madame la Présidente, chers collègues, on se réjouit de voir qu'effectivement nous arrivons à un consensus sur la question de la déconjugalisation de l'AAH. Comme certains de mes collègues avant moi, évidemment, nous nous positionnons pour une déconjugalisation qui soit effective en 2023, puisque la dignité n'attend pas. Nous sommes déjà en retard. La séquence des refus successifs lors du précédent quinquennat a été particulièrement choquante. On rappelle qu'avec la déconjugalisation de l'AAH, il y a une question d'indépendance économique. Ça a été mentionné par Madame Guettet. C'est principalement les femmes qui se retrouvent dans des situations de dépendance économique. Et sur ce point, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si on sait qu'une femme sur trois dans sa vie est victime de violences sexistes et sexuelles, ce chiffre est multiplié par 3 pour les femmes en situation de handicap. Et le lien avec la dépendance économique est très marqué pour les femmes en situation de handicap. Enfin, j'aimerais aussi signaler que, effectivement, c'est quelque chose qui a été demandé de manière répétée par les associations et les premières concernées. Et si l'on doit en tirer une leçon, c'est bien une leçon de méthode et se dire que, de manière générale, on pourrait travailler de manière plus constructive avec les premières concernées et les associations. Nous sommes donc favorables à une co-construction ambitieuse et nous jugerons sur les actes, puisque collectivement, nous serons jugés sur les actes. Je vous remercie. Très bien, Madame la députée. Amendement suivant, Madame Guettet. Le sujet est identique. Je ne sais pas si un de mes collègues... Je crois que M. Ratenon voulait intervenir éventuellement pour le défendre. Pas de problème. M. Ratenon, vous souhaitez intervenir sur cet amendement, le 255? Oui, merci, Madame la Présidente. Juste pour dire que ce consensus est bienvenu et je rejoins les propos de ma collègue Clémence Guettet tout à l'heure qui pointait... les différents manquements justement à cette justice sociale. À plusieurs reprises, nous l'avons proposé en commission et en hémicycle et on se réjouit qu'aujourd'hui, enfin, nous allons rendre justice à beaucoup de familles. Une situation qui touche énormément les femmes, qui brise des couples, qui brise la cohésion sociale et souvent des fois aussi qui pose problème dans la recherche d'emploi. Et donc, ça crée des situations dramatiques dans l'Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer. C'est aussi un souci, ça a posé un souci de pouvoir d'achat. Donc, c'est dire que j'applaudis des deux mains qu'enfin, nous trouvons le chemin de l'accord et le chemin de la justice sociale pour les personnes relevant de l'AH. Très bien. Monsieur Le Seul ou Madame Pires-Beaune, je ne sais pas qui défend l'amendement 168. Madame Pires-Beaune, Madame la députée, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente et merci de m'accueillir au sein de votre commission. Avant toute chose, moi je veux saluer effectivement le travail parce que pendant 5 ans, il y a notamment Jeannine Dubié, mais elle n'est pas la seule, mais qui s'est vraiment beaucoup, beaucoup engagée sur ce sujet. Sous le précédent donc, mandat, pendant 5 ans, à plusieurs reprises, et quand je dis nous, c'est vraiment l'ensemble des députés de quasiment tous les bancs, je dis bien quasiment tous les bancs, qui avons tenté de faire adopter cette déconjugalisation, malheureusement sans succès. Et à l'époque, j'étais responsable pour le groupe socialiste de cette mesure, notamment sur plusieurs PPL qui avaient été déposées. Et j'avais parlé de procrastination parce que ça nous paraissait tellement injuste de laisser toutes ces personnes dans cette situation-là. Dans son discours de politique générale, la Première ministre s'est dite favorable à cette déconjugalisation, je dis enfin, et elle a levé le gage. Très bien.
Nous allons enfin mettre fin à cette humiliation. Je parle bien d'humiliation qui fait que lorsqu'une personne subit un handicap, elle doit dépendre des revenus de son ou de sa conjointe ou de son compagnon. En fait, le handicap ne se partage pas et c'est la solidarité nationale, je dis bien la solidarité nationale, qui doit permettre l'autonomie des personnes handicapées et pas la solidarité familiale. Ça avait été notre angle d'attaque. Alors, notre amendement tel qu'il est déposé vise à corriger ça et à enfin déconjugaliser pardon, la hache, mais il a un biais, vous l'avez dit, Madame le rapporteur, c'est qu'il fait des perdants. Tel qu'il est rédigé aujourd'hui, il fait des perdants. Donc, nous allons suivre les autres groupes en retirant cet amendement, en répondant favorablement à votre main tendue, si j'ose dire, pour rédiger ensemble un amendement qui déconjugalise l'AAH et qui, en même temps, ne fasse pas de perdants. Je ferai trois remarques. D'abord, il faut effectivement que l'exposé des motifs chacun puisse s'exprimer comme il l'entend, donc ça veut dire des amendements identiques sur la partie légistique et des exposés différents, donc un amendement par groupe, à minima. Attirer votre attention sur la date, je vous l'ai dit hier, l'effectivité au 1er janvier 2024 n'est juste pas possible, ils attendent depuis trop longtemps, donc il faut faire un effort là-dessus, il faut que le gouvernement nous entende. Et puis une troisième remarque, attention, une situation à l'instant T peut évoluer, ça veut dire qu'il faut une possibilité, si la situation devait changer à un moment, un événement de vie, il faut une possibilité de changer de système par rapport à ceux qui seront dans le système avant l'adoption de la mesure. Je vous remercie. Très bien, nous arrivons à nouveau à d'autres amendements identiques. Monsieur Cordier. Madame Antoine, pas défendu là. Monsieur Sinieri, Monsieur Brigand, Madame non. Ensuite, Monsieur Noder, Bonny, non. Ben, ça va aller vite. Madame Bonivard, Frédéric Meunier, non. Madame Valentin, non. Et puis, Monsieur Taché. Madame Rousseau, peut-être, elle veut le défendre? Non. Défendu, très bien. Madame Corneloup, et non. Alors, sur ce, donc je repasse la parole à Madame la rapporteure, puisqu'il y a une sorte de consensus, on a bien compris, un amendement par groupe, la date de 2023, faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdant. Voilà, il y a une, je ne dis même pas une sorte de consensus, parce qu'il y a consensus, d'accord? Donc je repasse la parole à Madame la rapporteure, et ensuite, effectivement, on se positionne tous. Il en reste encore un, pardon, me dit-on. Non, je l'ai dit, il n'y a pas de... Le 85, il n'a pas été... Ils l'ont soutenu. Voilà, on y va. Amendement suivant. Monsieur Lucas. Oui, c'est moi qui vais le défendre. Merci Madame la Présidente. C'est pour demander un rapport sur l'extension du RSA aux jeunes dès l'âge de 18 ans. Vous savez que les jeunes de 18 à 25 ans, bien qu'ils aient les droits civiques, n'aient pas les droits. Pardon ? De 18 à 25 ans. Madame oui. Rousseau, poursuivez. Et donc, les jeunes, bien qu'ils aient les droits civiques, n'aient pas les droits sociaux qui correspondent. Et donc, cet amendement vise à susciter un rapport pour mesurer l'effet positif et le coût pour les finances publiques que cela aurait. Très bien. Madame la rapporteure, votre avis sur cette demande de rapport ? Oui, merci Madame la Présidente. Ce serait une demande de retrait parce qu'on a déjà un certain nombre de rapports. Notamment celui de M. Ruffin sur le sujet. Donc je vous invite plutôt à vous rapprocher des documents, des ressources déjà existantes. Merci. Monsieur Quatennens. Oui, je vais venir en défense de l'amendement de ma collègue défendu par Sandrine Rousseau. J'ai entendu un de nos collègues dire « mon Dieu, le RSA a 18 ans ». Bon, en réalité, on devrait plutôt dire « mon Dieu, des jeunes de 18 ans qui font la queue pour aller manger ». C'est ça le vrai problème. Personne ne dit ici et personne ne dira jamais que le RSA soit la panacée. En revanche, les situations que nous avons connues encore récemment et qui d'ailleurs perdurent, qui font que la jeunesse est dans un état de précarité absolue, doivent être soulagées, doivent être réglées.
Et donc le RSA serait bien un minimum. Nous avons proposé un amendement qui a été retoqué, qui était de créer une allocation d'autonomie jeunesse qui permette qu'aucun jeune, indépendant du foyer fiscal de ses parents, ne vive sous le seuil de pauvreté. Il nous semble extrêmement important que cette question soit traitée, et qui plus est dans un texte qui parle du pouvoir d'achat et de sa protection. Merci, monsieur le député. Madame Le Nabour ? Oui, très rapidement, on ne va pas repartir sur ce débat-là. Nous l'avons déjà eu plusieurs fois et nous l'aurons certainement dans l'avenir. Mais voilà, je ne sais pas sur quelle base scientifique vous vous basez pour vous dire. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que votre amendement est mal rédigé, puisque le RSA jeune existe déjà. Il existe déjà pour trois catégories de jeunes. Des jeunes qui ont travaillé 2 ans sur les 3 ans passés, et les jeunes qui sont parents ou en passe de l'être. Donc attention à la rédaction de vos amendements. Et d'autre part, je pense que là, à l'avenir, il faudra surtout suivre la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune qui a été lancé au 1er mars et que les missions locales et Pôle emploi sont en train de mettre en œuvre. Donc suivre ça de très près et être sûr que ça a une plus-value sur l'insertion sociale et professionnelle de nos jeunes. Merci. Très bien, Madame la députée. Madame Rousseau ? Non mais là, pardon, l'intervention qui vient d'être faite, le RSA qui dissuaderait les jeunes d'aller chercher du travail, enfin pardon, mais c'est ce que vous dites. Vous dites il faudra regarder l'impact du RSA sur la capacité d'insertion des jeunes. Alors ça veut dire ça en fait. Et donc juste, je rappelle quand même que les jeunes ont été les premières victimes de la crise du Covid, et notamment par la perte des emplois saisonniers, puisque contrairement à ce que vous pensez, en plus des études, nombre d'entre eux, un tiers d'entre eux, travaillent régulièrement pour pouvoir les financer. Et donc là, il s'agit de faire en sorte que les personnes dès 18 ans ne soient pas immédiatement tombées dans des trappes à pauvreté et qu'on les soutienne dès l'âge où normalement ils devraient avoir les droits sociaux, puisque c'est l'âge à partir duquel ils sont majeurs, tout simplement. Très bien. Très bien. Alors, nous mettons aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Madame Rousseau. Eh bien, c'est une demande de rapport pour une étude d'impact sur le revenu universel et mesurer les effets que cela aurait aussi sur le pouvoir d'achat des personnes, puisque c'est une des propositions que les écologistes portent depuis bien longtemps. Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Là encore, je ferai un peu la même réponse qu'il y a de récents travaux, notamment ceux commandés par le gouvernement au Conseil d'État, sur les modalités concrètes de rapprochement des bases ressources des aides sociales. Donc ce sera une demande de retrait. Très bien, Madame Rousseau. Le rapprochement des aides sociales n'est pas le revenu universel et donc je maintiens l'amendement. Très bien, je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Le Seul. Oui, merci Madame la Présidente. On l'a vu dans ces dernières discussions, finalement la jeunesse et les étudiants sont complètement absents du texte qui est censé pourtant traiter du pouvoir d'achat de l'ensemble de nos concitoyens. Seul Monsieur Le Seul a la parole, s'il vous plaît. Monsieur Le Seul, poursuivez. Merci Madame la Présidente. Donc à partir du moment où le gouvernement, à travers ses annonces, prévoit une sous-indexation des bourses étudiantes, revalorisation de 4% alors que l'inflation prévue atteindra plus de 5,2% à la fin de l'année, nous aimerions bien savoir comment les étudiants vont pouvoir faire pour pouvoir vivre. Et donc il conviendrait de faire toute la lumière sur les pertes réelles de pouvoir d'achat subies par les étudiants boursiers d'ici à la fin de l'année, et c'est pour cela que nous proposons un rapport. Merci. Très bien, Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. On ne peut pas laisser dire que les bourses sont sous-indexées par rapport à l'inflation, alors même qu'elles font partie du pacte de revalorisation, notamment des 4% qu'on a évoqué tout à l'heure, que par ailleurs, depuis 2019, le gouvernement a revalorisé les bourses sur des critères sociaux de 3,3%, ce qui était supérieur à l'inflation sur cette même période. Sur l'année universitaire 2021-2022, les bourses ont même été revalorisées du double de l'inflation. C'est donc un avis défavorable sur cette demande et remise au point un petit peu par rapport aux propos que vous venez de tenir.
Très bien, Madame la rapporteure. Monsieur Delaporte ? Oui, c'était pour venir en soutien de mon collègue Le Seul, parce que là, il s'agit de demander un rapport sur la condition, finalement, des étudiants et la question de leur pouvoir d'achat. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a eu une enquête de la LMDE qui est sortie cette semaine, qui disait que 70% des étudiants étaient en situation de grande précarité, psychique notamment. Cette précarité, elle est liée évidemment à des conditions de vie qui sont d'une grande précarité. Hein. Donc la pauvreté chez les jeunes, c'est une réalité, il faut la regarder en face, et c'est pas parce que vous revalorisez, je le rappelle, de manière inférieure à l'inflation les prestations, parce que vous dites on suit l'inflation, mais c'est pas vrai, que vous allez répondre à la précarité de la jeunesse. Donc c'est une demande de rapport, c'est une demande de bon sens, et je pense qu'il serait bon que notre commission aussi s'intéresse à la question de la précarité de la jeunesse. Je vous remercie. Très bien, monsieur le député. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous passons, mes chers collègues, à l'article 20 avec des amendements rédactionnels de madame la rapporteure. Le 419. Oui, trois rédactionnels, madame la présidente. Donc je les fais passer. Alors, je soumets au vote donc l'amendement 419 de madame la rapporteure qui est rédactionnel, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 421, même avis, même vote. Le 420, même avis, même vote. Je mets aux voix l'article 20 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 20 ainsi modifié est adopté. Amendement à l'intitulé du projet de loi. Et je passe la parole à Madame Pires-Beaune, qui est peut-être... Oui, non, monsieur, oui, monsieur merci, Le Seul. Madame la Présidente. Je défendrai l'amendement de ma collègue Pires-Beaune. À partir du moment où, finalement, on ne traite pas complètement de la question du pouvoir d'achat, qu'on ne traite pas de la question de la revalorisation des salaires, mais que nos collègues des affaires économiques, et nous avons adopté les différents articles qu'ils ont examinés avec les amendements, traitent de l'approvisionnement énergétique, nous proposons donc de changer le titre de ce texte et de substituer au mot « protection du pouvoir d'achat » les mots « sécurisation de notre approvisionnement énergétique » et « diverses mesures d'ordre économique ». Ce sera plus conforme, malheureusement, à la réalité de ce texte tel qu'il est aujourd'hui proposé. Très bien, madame la rapporteure. À l'autre amendement, oui, monsieur Benz, mais pas défendu, il n'est pas là, c'est pour ça. Madame la rapporteure, sur le avis défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté, mes chers collègues. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. Le projet de loi ainsi modifié est adopté, mes chers collègues. Je vous remercie pour la qualité des débats. Je tiens à le dire, vraiment, bravo. Et je vous retrouve, nous vous retrouvons à 16h dans l'hémicycle lundi prochain et un petit peu avant dans le cadre de l'article 88. Je vous remercie et bon appétit.